Bonjour, bonjour. Nous sommes avec la sœur Jessica, nous sommes avec le pasteur Léon qui est dans la voiture, nous sommes avec le frère Ange qui a apparemment des problèmes avec la voiture. Ok, maintenant il se rappelle. C'est très loin, nous sommes un peu stressés. Nous sommes donc dans le lieu de la retraite GPNET 2018. Nous allons vous présenter les locaux. Déjà, vous voyez la maison, comment elle est grande. Vous pouvez vous attendre à ce que ça va chauffer. Vous voyez ici la piscine, bien évidemment, pour nous les apostoliques, ça va être le lieu pour le baptême. Au nom de Jésus. Merci. Ok, c'est ça. Nous allons donc entrer. Pas la porte d'entrée, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de miroirs. Je pense que les soeurs vont être contentes ici. Là. Pas besoin d'avoir un miroir dans sa chambre chacun. Il y a même des tableaux un peu partout. C'est bien décoré. Les toilettes sont propres. J'ai vérifié tantôt. Elles sont grandes. Et elles sont assez espacieuses. Il y a aussi les toilettes. Et... c'est ça. Là, c'est la douche pour les sœurs. Oh, attention, magnifique. Il va falloir s'organiser pour ne pas... Donc, même, ça, vous comprenez que je suis un monsieur, je ne vais pas rentrer. On va juste filmer de l'extérieur. C'est déjà limite. Et ici, c'est, sombre. C'est une autre douche aussi, donc on est béni. Ok, c'est ça. Voilà. Là, ce sont les chambres avec les doubles. Donc, je pense qu'il y aura une place pour tout le monde. Ça va être puissant, mesdames et messieurs. Ok, c'est ça. Chambre. En fait, toutes les chambres sont avec des lits doubles. Oh, super. Deux lits doubles, donc. Je pense que tout le monde aura assez de place. Pour deux ou trois, on a assez d'espace pour ranger nos affaires. C'est vraiment grand. Je pense que toutes les chambres ont presque la même configuration. Waouh, il y a beaucoup de chambres, hein? Ouais. Ça se suit, c'est l'un à côté de l'autre. Juste en face, donc il n'y aura pas le... oh, je veux rester avec tel, je veux rester avec tel. On est juste côte à côté. Donc, tout le monde peut parler de ça. Merci, ma soeur. Il va. Donc, c'est ça. Et là, on s'en va au deuxième niveau. C'est décoratif, les tableaux. Oh, mais nous sommes dans un endroit plutôt fabuleux, précieux, extra. Encore d'autres chambres en haut, j'imagine. Oui, ici c'est la douche. Oh, yo, c'est beau. Ok, on a vu les chambres. On m'a parlé de la salle de jeu. Elle est où la salle de jeu? Voilà, les chambres, parce c'est que la pour même les chambres, on les a assez vues, c'est la même chose. Ouais. Alors, ici, c'est l'espace jeu. Il y a une spécialité pour que vous voyez, parce okay. que là c'est vraiment grand, c'est comme... la cuisine. Non, ça c'est même pas la cuisine, ça c'est la cuisine pour cette chambre-ci spécialement. Ok, peut-être, mesdames, on va pouvoir faire les crêpes à partir d'ici là. Ouais. C'est possible parce que ça donne beaucoup d'options. Et là c'est la douche, donc ici c'est vraiment comme séparé des autres. Là, c'est ouais, je pense que ça va être la chambre pastorale. Sûrement. Alléluia Seigneur. Sûrement. C'est vraiment beau avec un fauteuil à l'intérieur. Ouais, et ça c'est un lit chambre canapé. Des grands invités, des prédicateurs. Et ici, voilà les gens qui laveuse sécheuse. Ah, baby foot. Ah, ben là, c'est magnifique. Oh, les frères vont aimer ça. Et les sœurs aussi, bien sûr. Ok. Là aussi, les chambres ici. Les chambres encore, d'autres chambres, mesdemoiselles, messieurs. Aïe, aïe. Et voilà, il y a une table de poule. On n'a pas le temps de faire un match de poule là, mais je vous promets que là, dès qu'on arrive à la retraite, ça va chauffer ici de là. Ici? Il y a même une table de blackjack, c'est ça? C'est le poker, bon, nous autres, on n'a pas trop le temps pour ça là, mais peut-être qu'il y aura des gens qui vont aimer. Table de ping-pong, je vous dis là, ça va chauffer. Il y a même des raquettes de ping-pong. Ok, les raquettes, on les vieillonne, mais on va vous apporter des raquettes professionnelles un peu plus. Ouais, celle-là, c'est vraiment... oi, oi, oi. Mais c'est bon, la table est utile, on va apporter des vraies raquettes. Là, il y a ça. Oh, y a, ok, c'est table. Ah ben là ça va chauffer, ça va chauffer, c'est bon. Et il y a des échecs, oh les joueurs d'échecs, je pense qu'il y a Johnny là, le fils du pasteur, ouais. Ça va chauffer ici là avec Duken, c'est tous mes frères, un autre baby foot encore plus beau. Aïe, ça va être cool. Et puis on a aussi une chaise de télévision, et des livres, si vous pourrez avoir d'Alexis si vous voulez, ouais. Le riche et le pauvre. À mon fou Dallas, le grec, la dame du Nil, les dames de Boston. Bon, écoutez, je pense qu'on va venir avec les livres du Purpose Institute ici, là.
parce que là, je ne vois pas beaucoup de choses. Ok. Ici, vous pouvez directement descendre pour aller les aires de jeu. Là, c'est vraiment grand. Là-bas, c'est pour faire le barbecue. Oh. En bas, là, c'est pour le barbecue. Regardez voilà. Là, le filet de volleyball. Attendez, je vais zoomer là-dessus. Pff, regardez-moi ça. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Là, c'est pour faire le feu de bois. Mm-hmm. Là, on peut jouer. Je pense que c'est le chemin qui mène pour le feu à la de montagne bois. De ce côté. Mm-hmm. Ici. C'est le chemin pour la montagne. Regardez ce petit chemin-là. Ouais. C'est sûr que, bon, comme on ne connaît pas, je ne sais pas si on va proposer des assurances, mais notre assurance, c'est le Seigneur. Donc, ah ben, souvenez ici, là, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il garantit la protection et tout. De l'autre côté, là où il y a les deux ours. Ah, waouh, ça, c'est, on dirait un hôtel. Waouh, waouh, il nous faut des sacrificateurs alors. Caraboso, Toroboso, ça c'est intéressant ça. Mm-hmm. Ok, nous avons du monde qui travaille déjà en bas pour préparer la retraite. La belle piscine. Gros barbecue. Ouais, c'est ça. Donc, et vous n'avez pas vu la cuisine et la salle de. Il y a une cuisine? Oui, wow, une cuisine. Ah, wow, ça me plaît. On va se ici. Mm-hmm. C'est un grand salon. Waouh! C'est juste beau, c'est juste magnifique là. Ici, franchement là. Oh yo 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 yo, ça va faire. Et là, c'est votre grande cuisine. Waouh, c'est propre, c'est beau. Ouais, c'est vraiment c'est propre, clair, c'est clean, c'est cool. C'est chouette. On va découvrir le coin et. Seigneur est bon. Je pense qu'on aura beaucoup de plaisir. C'est ça. Ah. Ok, donc, madame, mademoiselle, messieurs, on nous sommes. Nous avons quasiment fait le tour. En plus, nous aurons normalement une tente qui est prévue à l'extérieur pour plus d'espace, donc ne vous inquiétez pas. C'était le frère Yannick et puis la sœur Jessica qui va vous dire au revoir. Bye. Merci et que Dieu vous bénisse. On vous invite à venir. À plus. On vous bénit sur cette image du frère.